Alors j'ai commencé le foot américain en 1993 au club des Black Panthers à Thonon-les-Bains. J'ai fait toutes les sections, j'ai commencé par flag football. Après en 94, je suis monté en U19, donc sur la section junior. Et après j'ai évolué sur la section senior à partir de l'âge de 17 ans. Où là en fait j'ai évolué au poste de corner jusqu'en 2004, où on a eu le titre de champion de France division 2 qui nous a permis de remonter en division 1. Et avec l'arrivée de Larry Legault au poste de directeur technique. À partir de là, 2005 jusqu'à 2015, j'ai évolué au poste de strong safety pour Larry. On sent de temps en temps des piges à l'offensive, tight end, wing back, quarterback, et j'évoluais aussi sur le poste de strong safety sur l'équipe nationale. De 2005, en fait, dès le retour de Larry, jusqu'en 2007, et avant j'avais déjà une pige en 98 à 2000 sur le poste de corner. J'ai évolué aussi en tant que coach sur le club des Black Panthers, où j'ai eu 4 titres de champion de France, 2004 et 2005 avec la section flag football. Et les meilleures années après en 2011 et 2012, où j'ai eu, avec tout le coaching staff de l'époque, 2 titres de champion de France en championnat national junior. C'est ta première année en tant que Seahawks. Peux-tu nous donner ton ressenti sur l'équipe? Alors, pour être honnête, je ne m'attendais pas du tout à ce niveau-là en LNA. Quand j'avais échangé avec Larry au mois d'août, avant mon arrivée, il m'avait dit qu'il y avait un bon niveau qui se rapprochait énormément du Division 1 française. Vu qu'on est quasiment à la fin du championnat de saison régulière, je peux reconnaître sincèrement que les 4 équipes qui vont faire les playoffs cette année sont les 4 équipes qui auraient largement leur place en championnat national de Division Case de Diamant en France. Après, sur l'ambiance, sur l'équipe, j'ai été agréablement surpris par tout le monde. J'ai été accueilli vraiment à bras ouverts sur le coaching staff, les joueurs, tout s'est bien passé. Très bonne ambiance, c'était un petit peu mon appréhension. Étant donné que je suis un vieux, avec Mike, on est les deux plus vieux à plus de 40 ans. Mais vraiment une très bonne ambiance, très bon état d'esprit, très bon esprit d'équipe et un esprit familial qui me manquait un petit peu la dernière année où j'avais évolué à Thonon en 2016, et c'est vraiment quelque chose de très important pour moi et je suis vraiment content d'avoir signé cette année avec Genève. Concernant le match de Lucerne dimanche, c'est notre dernier match de saison régulière. C'est un match qui n'est pas à prendre à la légère et je pense qu'on doit absolument rebondir après la défaite qu'on a subie à Berne la semaine dernière, où on a eu une prestation collective et je dirais plus une prestation défensive, je pense la pire de la saison. Même la défaite qu'on a eue à Calanda, où on a pris 30 points, on n'a pas joué si mal que ça. Je le prends aussi pour moi, ce que je considère c'est vraiment le plus mauvais match que j'ai fait. Et je pense que ce match doit nous permettre d'emmagasiner de la confiance pour la suite, pour les playoffs, en attendant aussi le retour de certains joueurs blessés, comme toi, comme Chris Noah sur le poste de defensive back. Donc c'est très important pour nous de pouvoir faire tourner l'effectif pour éviter les blessures et puis aussi de permettre aux juniors qui nous accompagnent depuis le match de Berne de pouvoir prendre de la confiance et puis voir un petit peu ce que c'est que le rythme en LNA pour eux la saison prochaine. Donc c'est un match vraiment à pas arriver la fleur au fusil, se dire ouais Lucien son dernier, ils n'ont pas un match gagné de la saison, eux ils n'ont rien à perdre, leur prochain match ça sera un match de barrage pour voir s'ils descendent en D2 ou pas. Sachant qu'on a perdu la semaine dernière, ils vont se dire ok, pourquoi pas tenter d'autres chances. Et moi je serais pas surpris qu'on ait un début de match qui soit assez difficile parce qu'on a du mal à rentrer dans nos matchs depuis quelques rencontres. Et même, je dirais même depuis le début de saison, on n'a jamais été capable de jouer 4 cartons en complet, que ça soit aussi bien offensivement que défensivement. Et ce qui va nous permettre, j'espère, ce week-end de pouvoir retrouver une certaine sérénité, ce retour aussi de Kyle sur le poste de quart arrière. Ce qui permettrait, je pense, à des joueurs comme Matteo, Morgan et Zelda, entre autres, de pouvoir exprimer plus leurs talents sur un système offensif sur lequel ils ont évolué toute la saison. Salut à tous, c'est Thibaut Lebert. Vous avez vu, j'ai un peu moins bronzé. Donc aujourd'hui, on a Lucerne. Et regardez, il y a Franck déjà qui commence à faire des bêtises. Pourquoi, voilà, calme-vous, pote. C'est Ika. Ce n'est pas une légende, Morgan est en retard. Et voilà la chanson des gros beaufs, ça. Et Momo, allez, allez. Bonjour à tous, c'est Black Bear. Aujourd'hui, le vlog, il est à moi. Choco il est pas là aujourd'hui donc on va faire ça bien et tout, on va vous montrer les coulisses et tout, comme d'hab en fait. On est ensemble, rien ne bouge, boy. Ça va French Beer, what's up? Ça va très bien toi. Ah on est là, on est là. Je suis tellement fatigué mec. Aujourd'hui dans le bus nous avons la joie d'avoir un des meilleurs running back de Suisse.
qui a battu sur un vote internet, il a battu le 44 de Calanda. Hein, je t'ai fait. Wow, cacher les coulisses. Mon réveil, il a sonné. Aucun souvenir de l'avoir été. Voilà. Aucun souvenir. C'est dommage qu'ils peuvent pas sentir à la vidéo. On rigole pas, mais je rigole plus avec vous, les gars. Fin du rire. Merci pour toi. Ok, bah Choco il est pas là aujourd'hui, il est blessé, des obligations, tout ça, il va profiter sûrement de sa fille. Donc on va rester entre nous là, pas de dégustation Prozis aujourd'hui. Il sait même pas qui il est, mec, il va te ramener des chelles et nouilles instantanées. Bon, c'est tellement cancérigène, t'as dit que ça c'est tout 100% naturel, fait par amour, mec. Pourquoi vous voulez tous la recette des pancakes, mec? Genre profiter juste de manger. On va à Lucerne aujourd'hui. Affronter les Lucerne Lions. Ils sont derniers du classement, ils font les 10 balles. Et tu vas aller voir les Lions en VIP, c'est 50 boules. VIP, mec, t'as une boisson. T'as un ice tea. Il te file un ice. Sa petite main comme ça là. Arrête, tu vois, Manu, lui, il met les deux mains. Lui là. Il a blessé son coéquipier à l'entraînement vendredi. Ah, sale. Le bâtard. Genre. Ankle-breaker. Il lui a niqué la nuque. Il lui a juste fait la cheville, mais genre sale, en torse. Bien fait, RKO. Bravo, mec. C'est un franc, les pancakes. Eh, hey, nous, on a la fin, on a pas besoin de payer, les gars. Attends, tu me payes l'essence quand je te ramène. Il m'a payé. Je t'ai payé une pizza, mais. Bon, c'est ton petit frère qui l'a mangé, mais la pizza, c'est la famille. C'est un franc, les pancakes aujourd'hui. Vous voulez, je vous envoie DHL. C'est même Morgan qui les envoie, elles vont arriver en retard. Redis encore, ils t'ont pas entendu. Non, c'est bon. Yo, Zelda, what's up? Déjà, y'a trop de gens, y'a trop de gens. Ah non, moi j'ai rien, on a pas besoin des juniors, laissez chez eux quoi. En même temps, eux ils se blessent entre eux. You got your French teacher right here. Yeah, there's your French teacher. What's up, club? La semaine dernière, t'as fait des disputes, hein? Eh, je suis bilingue maintenant. On est ensemble, rien ne bouge, les boys. Ah, le business. Je crois que je me suis déjà fait 10 balles. Big Nate, 9-1 les Corsairs, Dédicace, 9-1 les Corsairs, Caen, Hérouville, Saint-Clair, les Conquérants, la Fafa, Il loue chocolat. Il arrive. Il arrive la semaine prochaine. Je pense ça, mec, tu l'as arnaqué. Oh de là. On leur explique ou pas? On a fait le loto du club, tu vois, et il y avait un prix, c'était une PS4. Et c'est une vieille qui l'a gagné, tu vois. Vraiment, elle savait même pas ce que c'était, tu vois. Morgane, il va vers elle, il fait. Ouais, tu lui as dit quoi? Ouais, je peux vous la racheter, je sais pas quoi. Vous en avez besoin, ouais, un truc comme ça. Elle dit non, non, je sais même pas ce que c'est et tout. Il fait 100 francs, ça va? Elle dit ah oui, 100 francs, ça va. C'était une Play 4, 500 gigas et tout. Là. Et après, il est reparti avec une Play 4, il l'a branché chez lui, il a jamais joué. Kevin, avec Kevin, tes petites regarde avec ton petit short. Regarde ton short, Kevin. Arrête tes petites fesses là. Et j'ai une grosse claque au cul, au cubi. Dis-lui, hey, dis-moi, voilà, hey, là il va me détester à mort. Ah là il va me détester à mort. Eh hey, frère, t'es mort. Ah oui, t'as donné ça? T'as reçu avec le coach Choco? Choco, quand tu nous donnes des trucs, marque comment ça marche? Istruzione per l'uso. Voilà, on va faire un test, Prozis. C'est de la C'est ça. Il a clairement gaspillé. Ah, genre, t'as mélangé pour faire 1, 2, 3. Voilà. Tu vois, tu peux le boire toute la journée. Ça rajouté, il manque McDiel, Ouais, il manque McDiel. Ils sont en train de chier, c'est vrai. Je crois qu'il pose une pêche. Président. Donc le mec a mélangé pour faire 1, 2, 3. Carrément, mec. C'est pas comme ça que ça marche, mec. J'étais en train de chier. Imagine, ils partent en vrai. Tu bois ça, mec, tu deviens Superman. T'as tous les effets. Avant, pendant et après. Tu veux goûter? Ouais, hein. Il est bon. Ah, c'est du médicament ça. Je vais faire une petite pub là. J'ai un pote, il a sorti un EP, c'est dispo partout. Vous marquez idée, réel, c'est dispo partout. Spotify, Apple Music, YouTube Music, il y a encore Deezer, il y a même une plateforme norvégienne qui l'a sorti. Pornhub. Quelqu'un d'autre peut faire une tuce, peut-être. Les gars, je cherche toujours une meuf. Ça, je dis rien. Une question pour les abonnés de Choco. Quand vous êtes aux toilettes, vous utilisez quelle position? Moi perso c'est la 8. Ah ouais, t'es en chantant. Moi je sais que Mathéo il utilise la 0. Il utilise la 0 là. Pour être sûr de pas déborder. Benaya c'est la 7. Mais c'est impossible, les toilettes sont contre le mur, tu mets où tes jambes? Bah gros, y'a des toilettes pas contre le mur, Benaya. T'es mal qu'à premier degré là. Lui c'est team premier degré lui. Mais c'est pas possible. Mais les toilettes ils sont contre le mur.
La vie de Rome, c'est un ouf, ce gars, frère. J'ai acheté un sandwich, le gars il le mange, gros. Mais ouais, frère. Eh, mais t'as un problème ou pas? T'as des problèmes, Shams, la tête de Rome. Eh, je joue pas ce match. Eh, c'est bon, y'a plus de match. La vie de Rome, c'est un ouf. Eh, ça a craqué dans ce car. Pourquoi tu râles? Je peux manger ce que je veux. Ta gueule. Oh, il était bon, ton sandwich. Vas-y, laisse-moi ça le boulet. Eh, gros. C'est ça, frère, je me fais agresser par Maroua là. C'est qui? Un gars, la cité, il a marqué, il est portugais. Soit quand Shams il envoie des snaps, attends, après il veut trouver une meuf, tu veux qu'il fasse comment? Ah, je vais trouver ta mère sur Snap. Voilà. Oh, sa mère est très sympa. Ta bagarre. C'est Manu. Oh mon dieu. Ça Lui il vient du nord de la France, mec. Oh la merraderie. Pardon, mon gars. Eh quoi? Lundi entraînement, octogone. Oh, eh. Tu ressembles un peu à Sébastien Coué. Il ressemble pas du tout. Bah si, il est chaud. Mais mec, pour toi, tout le monde est chaud. T'as vu ta gueule de Chewbacca là? T'as la même couleur de poil, garde tes mains, putain, même là et là. Ah, je te respecte parce que t'es plus drôle que moi. T'as la vie de ma mère, je t'en tue pas. Bon, il a dit que l'on est la mère de la guerre d'Adrian. It's hard as hell for a young Florida boy. Where we play football and sell dope, man. Pour l'instant, en fait, j'ai qu'une seule paire de chaussures, c'est un peu bizarre. Je crois que quelqu'un a volé ma chaussure. Je suis ultra chaud. Ça veut rien dire, j'ai qu'une paire de chaussures. Ah ouais, pardon. J'ai un seul pied de chaussures, j'ai que le pied gauche. Hey, qui a volé ma chaussure? Donc aujourd'hui, ici, ils ferment pas les vestiaires, donc j'ai un sac là, rempli de téléphones et d'argent, mec. Je pourrais me barrer en Italie là. Ah, on est là, c'est Kenai Neken. Nous, mon magasin Bismuth. Ah ouais, t'as qu'à visiter Bismuth. Bismuth de Renoir, sauvagerie. On est ensemble, rien ne bouge. Alors, vous avez besoin de quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai des iPads, j'ai des Beats, j'ai des tâteurs. Si vous êtes Samsung, si vous êtes Apple, on a même Huawei. On est Huawei. L'équipe est pas très concentrée parce que c'est Lucerne, ils sont graves dans le déficit. Priez qu'on se concentre et qu'on se fasse pas défoncer, quoi. Mais en vrai, on joue pas là-dedans. On joue dans le petit machin à côté. On aurait cru. Il y a un déficit de budget chez... Exact. Le Messi est là. About time. Oui, Wilson. Il a fait un truc du coup. Ah, il est trop chaud. Time is up, rock the head, man, give him wiggles. Mic me up, talk this boy.
Aujourd'hui, si on pouvait arrêter le match à la mi-temps, bah, frère, on arrête le match à la mi-temps, frère. Moi, je veux jouer. Le mec, il est en vrai carré. Eh, filme ça, mec. T'as dit ça un peu là? Yeah. Toujours frais, mec. Moi, je fais tout, bro. Je fais joueur, je fais entertainer, je fais waterboy. Oh, on fait tout, mec. Why you always such a stupid bitch? Wait, hey, why you always up up on my dick? Hey, say, don't you wanna be my fucking chick? Hey, what? Don't you wanna tell me how you been? Hey, babe, don't you wanna do this shit again? Hey, say, how about I just fuck you and your friends? Wait, babe, how about I just fuck you and your... Nous avons aujourd'hui chez nous le joueur le plus stylé de la ligue. Il était habillé avant, mais là il s'est déshabillé. Alors, Emerson, t'as vu ça un peu? Avant, il était sapé comme ça avec la force parce qu'il a oublié ses chaussures. La sapologie. Et derrière, nous avons notre boy. Reviens, Kevin, reviens. Ok, maintenant on filme ce kick là. Boum, allez. Nous, on veut des gros hits là, on veut des gros. Allez, les boys! Eh, hey, la demi-finale, c'est avant Fumer, ok les boys? Allez, Chris! Hawks on 3! 1, 2, 3! Yeah! Yo, CC, what's up? Here we go! Ah, don't drop the beast! Donc, comme on pensait, match... Gros match, gros match. Ok, si tu veux. Match, voilà, on va pas dire facile, hein. Facile, mais on a fait beaucoup d'erreurs, quand même, pour une équipe qui va en playoff, hein. N'est-ce pas, Phil, qu'on a fait beaucoup d'erreurs? On a fait de la merde. Voilà, on a fait de la merde, apparemment. N'est-ce pas qu'on a fait beaucoup d'erreurs? Trop d'erreurs. Même le Messi, il s'est fait catcher sur... Ouf. Eh, on en parle pas, s'il te plaît. Coupé dans la vidéo, là. Parce que c'était vraiment sale. Eh, on fait quoi, là? Ah non, on repart, on se casse, allez. Genre, je vais me faire plaisir. Mais non, mais je sais même pas comment il jouait, j'ai pas vraiment regardé, mais tu sais, il était tout comme ça. Et tu sais, il se donnait trop, il était genre Oompa Loompa. Et tu sais, et dès que, ouais, je le regardais tout le temps et j'étais là genre pou 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 pou. Tu sais, genre, je le regarde, il y avait la chanson dans ma tête, genre, mais mec, genre, zéro respect, quoi. Même Théo Zeka, il a fait le match, il a encore, il a deflect une balle, il était comme ça encore. Non, ça, je l'ai fait pour toi. Oh, il était là, genre, you don't know who I am, you don't know me. La dernière action, je la laisse dans la vidéo. La dernière action, ouais. Les gens de la vidéo, vous verrez pas la dernière action pour mon bien à moi, mais c'est pas grave, on a gagné, c'est l'important. Ah merde, bois pas, c'est de l'eau des toilettes, c'est pas de l'eau potable. T'as vu quoi avant là-bas? J'ai pas bu, j'ai bu mon Gatorade. You know, I just drink Gatorade because I need electrolytes. Ouais, tu peux avoir des électrolytes sur Prozis aussi, comme Choco il me donne avant les matchs, avec le code Choco 10. T'as un Dafalgan? Non, j'ai un ancien. Mal à la tête. Oh, ces enfants qui sont fragiles comme ça, ils ont 2 heures exposés au soleil et ils ont mal à la tête. J'étais chez toi l'autre jour. T'as fait quoi? On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ah, j'en creux sa vie, ce gars. T'as mis combien de TD aujourd'hui? Tellement chaud. Je sais pas, demande à French Beer, c'est lui qui. T'as mis combien de TD? 2 TD, ça, mec. Surenchéré. Ouais. Il a mis 5, 7 TD. C'est Marshall Lynch. Des Marshall Lynch Junior. Today was a beast quake. Je pensais qu'aujourd'hui j'allais jouer que la première mi-temps et ensuite j'allais me reposer. Il m'a vendu du rêve, Larry, il m'a vendu du rêve. La ligue est fragile. On a le meilleur running back de la ligue. Tu es bien, tu t'es préservé pour les playoffs. Ouais, c'est normal, tu es fait benché. Ouais, t'as envoyé mon pote. Et ouais. Dernière action du match, le QB il est parti comme ça. Il est revenu. Et tu voyais Karib qui courait derrière comme ça. Et on était là genre Karib, sort. Karib est stylé, tu voyais. Ouais, mais t'as de la chance qu'il l'a pas pris en vrai. Enfin, ça c'est tellement drôle parce qu'il met des coups de pression aux arbitres. Quand il y a des flags qui se passent devant lui, il fait « Oh, il colle comme ça !» Et il s'en va, il marche. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Voilà, on arrive à la fin de ce vlog sur Lucerne. Hein. Gros match, hein. On a fait beaucoup d'erreurs. Arrête ! Maquette, arrête ! Ça va ? Alors, si t'as kiffé la vidéo, tu lâches un gros développé du pouce bleu en bas et tu partages avec tes potes. On se revoit bientôt. Voilà, c'était bien tu de la vidéo. Lâche un like, condivide avec tes amis et tu vas dire à la prochaine.